Bonjour à tous, attendez quelques secondes encore, parce que je crois que j'ai trouvé tout à l'heure, voilà, c'est ça. Nous avons, enfin c'est Thibaut qui l'a trouvé, et moi je l'ai photographié, une petite crabe araignée extrêmement rare, Latria elegans, que je retrouve dans ce vieux livre de gravures d'animaux capturés un jour ou l'autre par des engins de pêche. Mais c'est sans doute la première fois qu'il est photographié, alors c'est une belle journée aujourd'hui. Le premier qui va regarder ces photos de la journée, c'est Jordi. Jordi Quillas, le photographe catalan qui nous a rejoint sur l'expédition pour être mon partenaire de surface. Et je l'ai choisi pas au hasard, c'est parce que je trouve qu'il incarne ce cocktail plutôt rare de trois qualités. D'abord, c'est un excellent photographe, un technicien hors pair. C'est aussi un excellent plongeur, athlétique, un très bon apnéiste. Il a même été en équipe nationale d'apnée à une époque. Et puis, c'est un fin naturaliste. Il connaît les animaux. Et du coup, j'ai fait une entière confiance pour s'occuper de mon recycleur, évidemment, mais surtout pour gérer mes 5 appareils photo. Je crois que c'est la première fois, peut-être à l'histoire, que quelqu'un utilise des appareils photo à cette profondeur pendant des plongées tellement longues. Alors ça c'est aussi un défi pour le matériel parce que ce sont des matériels qui, même s'ils sont très bien faits, ils ont une grande qualité, ils ont pas été fabriqués pour cette type de plongée, que c'est vraiment unique, c'est la première fois. Alors c'est un vrai test de tous ces matériels et on apprend beaucoup pour des prochaines expériences de ce type. Bon, mon moment préféré c'est quand il rentre de plongée et que j'ai l'occasion de downloader les images de Laurent et faire un petit parcours de la plongée qu'ils ont fait. Non, montre pas toutes les photos, hein. C'est pour plus tard les photos.